avec mon monsieur météo préféré, Stéphane Van Bellingen. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Steph? Super, et toi? Et attends, première chose, j'ai joué au foot aujourd'hui. Ouais. T'avais annoncé 10 degrés pour samedi, on s'est gelé. C'est vrai? Ah ouais, t'avais annoncé 10 degrés pour samedi. Ben oui, 10. Je crois qu'il faisait 3 degrés là, à tout casser. Mais non. Par contre, ça s'est réchauffé, là il pleut et on est monté à 7 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de nuages, donc du coup il fait moins froid. Tu comprends? Ouais. Donc quand ça a commencé, peut-être qu'il faisait encore un peu. Il y avait moins de nuages et maintenant, ben voilà. Bon, alors, moi je te connais depuis des lustres, peu de gens le savent, t'étais en fait. Et je voudrais rétablir ça, t'étais un grand DJ avant. Ouais. Dans les années 90. Qu'est-ce qui fait qu'un grand DJ devient un monsieur météo? Alors là, c'est un hasard. Je te jure que pur et certain. Tu vas faire plaisir à plein de gens. Tu vas enfin répondre à cette question. Ben écoute, vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment un hasard. J'ai toujours voulu faire de la télé. Et il y a un moment, la télé et le monde de la nuit, on ne peut pas continuer parce que moi, j'ai commencé à bosser le week-end. C'est pas compatible. Ben non, parce que quand tu travailles dans la nuit, tu termines à 5-6 heures du matin. Et pour faire la météo, ben voilà, tu commences à 10 heures du matin. Donc c'est un peu compliqué. Donc à un moment, j'ai lâché le frein. J'ai vraiment... Ok. Ouais. Alors franchement, maintenant, quand tu revois ces belles époques qu'on a connues ensemble, ouais, derrière les platines, ouais, ta vie maintenant, je suppose qu'entre les deux, ton cœur balance, mais qu'est-ce que tu préfères vraiment, sois honnête? Mais aujourd'hui, évidemment, j'ai 36 ans, donc j'aime bien ma vie maintenant, j'aime bien ma vie actuelle. Je ne serais plus capable. Ça ne te manque pas de temps en temps, cette fièvre du samedi soir? Mais évidemment, ça manque. Évidemment, je suis ici ce soir, j'ai envie d'aller de travailler avec toi, d'un peu mixer, machin. Je sais que c'est pas compatible avec ma vie au quotidien. Quoi. Ok. Tu sais, comme c'est la sono, c'est comme le vélo, ça ne t'oublie pas. Donc ouais, j'espère un jour. Ah, j'espère aussi. D'ailleurs, ouais, une petite soirée Remember Woos Woos avec Stéphane Melvedigone. Quand tu veux. On va relancer Karl. Quand tu veux, Karl, appelle-nous, on y va. Salut, merci Steph.